Alors, j'ai étudié, pour pouvoir faire des comparaisons, bien évidemment, c'est très intéressant d'un point de vue historique. J'ai étudié donc le taux de satisfaction des téléspectateurs hier soir suite au débat que j'ai pu me procurer ce matin. Alors, pour Benoît Hamon, le taux de satisfaction était de 36,8. Pour Mélenchon, il était de 37,4, donc ils sont quand même assez proches. Pour Marine Le Pen, 41,2. Pour François Fillon, c'était 36,7, je crois. Et pour Emmanuel Macron, c'était 41,2. Donc si on fait une moyenne, en additionnant et en divisant par 5 évidemment, si on fait une moyenne, on obtient le chiffre de 37,82%. Alors si on compare à l'élection de 95, hein, Lionel Jospin avait fait 43,2%. Jacques Chirac, 41,6%. Balladur avait fait 36,2%. Jacques Cheminade, 2,8% bien sûr. Robert Hue, 17,2%. Arlette Laguiller, 7,8%. Et Philippe Devilliers, 6,5%. Dominique Voynet, 4,3%. Donc si on fait la moyenne, on obtient une moyenne de 17,63%. Ce qui, comparé aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, dont je me souviens plus d'ailleurs, est quand même assez intéressant. Voilà, c'était mon analyse politique de ce matin. Ceci dit, la rencontre légendaire d'Interville entre Saint-Brieuc et Le Creusot en 88 avait fait un taux de satisfaction de 78,12%.